Alors nous sommes le lendemain, nous avons fait macérer toute la nuit, tremper les morceaux d'aloe vera dans l'eau. Et maintenant, nous allons voir qu'est-ce que nous faisons avec cet aloe vera. Donc nous avons les morceaux d'aloe vera qui sont là. Vous voyez, c'est bien gélatineux, mais ils ont trempé, donc ils sont un peu moins. Donc, nous les mettons dans le blender. Voilà. Tout simplement. Parce que beaucoup de personnes m'ont demandé, alors, ça sert à quoi l'aloe vera? Ça cicatrise des intestins. Enfin, je ne voudrais pas dire de bêtises, parce que... Et alors, vous allez boire ce jus tous les matins. Vous allez le laisser au frigidaire. Vous avez des appareils, maintenant, qu'on vend, c'est des espèces de bros avec... où on peut mettre sans air, comment on appelle ça? Sous vide, voilà, merci. Vous voyez, il y a une pompe comme ça et on met sous vide. Alors, vous rajoutez... Ah, mais j'ai pas de presse citron. Bon, c'est pas grave. Vous rajoutez le jus de 2 citrons. Vous rajoutez le jus de 2 citrons. Donc voilà, le jus de 2 citrons. Hein, voilà, 2 citrons. Voilà, on va le faire pour nous, on le fera après, parce que nous sommes nombreux ici, pour demain matin, boire notre jus de... Vous rajoutez également de l'eau minérale, de l'eau de source, pardon. Voilà, vous remplissez facilement un litre avec... un litre et demi, même avec l'aloe vera, notre jus de citron. Et vous rajoutez là-dessus 2 cuillères de miel. 2 cuillères de miel bio, évidemment... 2 cuillères de miel bio et nous allons faire tourner tout ça. Voilà, pas trop de sucre parce que le miel, c'est quand même un très très bon médicament. Enfin, je veux dire, un très bon remède. Voilà, des 2 cuillères, pas trop quand même. C'est très sucré. Le miel des montagnes est très sucré. On en trouve d'ailleurs presque plus, je ne sais pas pourquoi. Si vous trouvez, vous me direz. Voilà, je trouve qu'il est plus caramélisé et plus sucré que les autres. Voilà, et c'est tout. Et voilà, c'est tout la recette de l'aloe vera. Il ne faut pas descendre, il descend dans mon pot. Voilà. Et vous passez le tout au blender. Dans votre petit blender, moi j'ai celui de Domoclip. Je fais comme régénère.com, c'est mon grand ami, hein, régénère.org. Hein, c'est notre grand, celui qui nous a aidé à faire les jus verts. Et puis l'autre aussi que j'adore, dont j'ai oublié le nom, qui est un ancien sportif. Qui est coach de gym aujourd'hui, et puis tous les autres, et puis la dame, là, comment elle s'appelle, tous ces gens qui nous aident, là, sont magnifiques, donc je pense à eux quand je fais ça, et je pense à ma mère qui regarde des recettes libanaises à la télé. Bon, alors, et après, vous mettez le en marche, blender, et voilà, c'est parti pour 3 minutes de bonheur, j'espère que tout va pas s'en aller. Et bien, écoutez, c'est ça la recette de l'aloe vera, quand je... jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux. Bon voilà, vous continuez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux. Ça vous donne un jus que vous allez mettre dans un récipient de préférence sous vide, au réfrigérateur. Là, vous ne pouvez pas le boire, il n'est pas assez frais, vous mettez au réfrigérateur. Et tous les matins, si vous avez le bro là, de je ne sais plus qui, vous avez trouvé sur internet, où on enlève et qu'est-ce qu'il met sous vide. Bon, ça se garde, je pense que ça avec du citron ça peut se garder, vérifier avec du miel. Donc je répète, c'est une branche, une feuille d'aloe vera, que vous achetez dans les magasins bio, que vous enlevez comme on vous a montré, vous récupérez la gelée que vous laissez tremper toute la nuit dans de l'eau, le matin vous récupérez les morceaux que vous mettez dans votre blender avec 2 jus de citron bio de préférence, mais c'est pas bio, vous mettez la pure, et ensuite 2 cuillères de miel, vous passez au blender, vous le mettez au réfrigérateur et tous les matins, je vous conseille le petit verre d'aloe vera, citron et miel. Voilà, et je remercie Laurent pour sa recette, régénère.org et tous les autres là, qui font des choses magnifiques. Voilà, soyez sains, mangez simplement et vous verrez que vous sentirez beaucoup mieux. Voilà, je vous embrasse les HP. Merci.